Chopsticks, Asian Bar, bientôt à Tribeca Mall, Trianon. Lolo Hypermarché, low, low prices. Morcellement Saint-André et le Valentina Mall Phoenix. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de l'Info 20h de Top TV, au sommaire de cette édition. Les funérailles de Steve Juliette ont eu lieu à Goodlands ce samedi matin. Proches et amis se sont recueillis pour lui dire un dernier adieu. Présent également à Goodlands, l'activiste Rauf Kodabakos se dit abasourdi par certaines allégations. Il exprime son soutien à la famille dans ces moments difficiles. Importation de chevaux, la Horse Racing Division n'accorde pas son feu vert à la Mauritius Turf Club Sports and Leisure Limited. Problème d'eau à Maurice. Pravin Jugnauth présidera une réunion pour prendre connaissance de la situation. Les prévisions pour l'été 2023, pas de grosses pluies avant la deuxième semaine de janvier. Une dure réalité en vue de la rentrée scolaire. La montée en flèche des prix des fournitures scolaires accable les parents. À Paris, des milliers de manifestants en hommage aux trois militantes kurdes assassinées en 2013. Et puis football, Didier Deschamps prolongé à la tête de l'équipe de France jusqu'en 2026. Les funérailles de Steve Juliette ont eu lieu ce samedi matin. Ses proches et ses amis étaient réunis à l'église Sainte-Claire de Goodlands pour lui faire un adieu. Attristé par cette perte, son meilleur ami Christopher parle d'un homme qui n'a jamais été associé à la drogue. Il se dit peiné d'avoir perdu son ami dans de telles circonstances. Je me connais personnellement, qui est mon camarade, qui suit avec moi, d'ailleurs. Il y a pour qui ça n'a pas fait l'enquête, pas pour trouver ce moyen qui va dans l'eau, qui s'amène pas mal de ces affaires-là. La police, une batterie, une grappe, une tuerie. On a envie de connaître, prenez une suite à ça, pas prenez une suite à ça, nous-mêmes, nous pouvons faire la justice. On a envie de connaître, c'est pas prenez une mort, ça suit après. Je pour les préparer, tout le temps. Deuxième mot d'homme, là, dans la cité, là, deuxième, là. Après KLPMS, une petite sacrée incidence, ça nous fait là. On attend de vous aider, si nous pouvons faire la justice, nous-mêmes, nous pouvons faire nous-mêmes. Gotha raconte lui que Steve, plus connu sous le nom de Jacqueline, venait de fêter ses 36 ans le 1er janvier. Il se dit choqué d'avoir appris le décès de son ami. Enfin, moi, depuis enfant, je connais ça, tout le monde là, je ne fais pas au coulisse, je travaille ici, pour Pétron, c'est pour l'immobilier, sa famille. Mais il partit à une ville guerre, il partit à une fosse, tout le monde là, il s'est dit, il s'est dit, il s'est dit, Il a son résultat que nous attendait. C'est ma façon que ça ne déroule là, nous pas contents. Vous pouvez comprendre mon plaisir là. Nous tient ça, nous laisse, nous tient ça. Discours des enfants, discours du pied, discours des enfants, discours du pied. Ouais, ça fait combien d'années les gars sont là. On célèbre ce 36 ans ensemble. Les 3 jours après, il y a qu'il a. Mais nous, nous sommes ça. Du côté de la police, l'inspecteur Chivakouten rejette les allégations de brutalité et affirme que l'autopsie a démontré que le décès est dû à une cause naturelle. L'activiste Rauf Kodabakos se dit persuadé que les enquêtes effectuées par les avocats d'Avengers permettront de faire la lumière sur le décès de Steve Juliette. Après avoir visionné les images de la vidéo qui circule sur les réseaux sociaux, Rauf Kodabakos, aussi membre de l'Union PEP mauricien, se dit bouleversé par cette affaire et a tenu à soutenir la famille affligée lors des funérailles de Steve Juliette à Goodlands ce samedi matin. Soulignons que le rapport d'autopsie pratiqué hier après-midi par le médecin légiste indique que Steve Juliette a succombé à une insuffisance coronaire. L'activiste Rauf Kodabakos au micro de Kamala et Periana. C'est-à-dire qu'on est interpellé par des images qui m'ont trouvé sur les réseaux sociaux hier. Inacceptable, continuer avec une brutalité extrême. Alors,
mon sentiment obligé pour venir dans ça, l'enterrement là aujourd'hui, parce qu'il m'a traumatisé, m'a basourdi. C'est-à-dire que brutalité peut continuer. Brutalité, la police peut continuer. J'ai une enquête pour faire, ben, un avocat Avengers pour prendre sa case là. Mon peu d'amour à dire, mon présence aujourd'hui m'a bouleversé. Je sympathise avec ça, la famille là, c'est pour ça mon présence aujourd'hui dans Goodland. Rappelons que l'habitant de Cité Sainte-Claire, Goodlands, avait été interpellé par les enquêteurs de Grand B le jeudi 5 janvier. Les proches de Steve Juliette allèguent que ce dernier a été agressé par les officiers de là-dessous. Avant d'être relâché, il a été pris de malaise durant la soirée et a été transporté d'urgence à l'hôpital où il a rendu l'âme. La hache de guerre entre les différentes autorités régulatrices des courses hippiques et la Mauritius Turf Club Sports and Leisure Limited n'a toujours pas été enterrée. Cette fois, cela concerne l'approbation de la Horse Racing Division pour autoriser la MTCSL d'importer une trentaine de chevaux en provenance d'Afrique du Sud. Contactée pour s'enquérir de la situation, une source de la HRD nous indique que c'est au ministère de l'agro-industrie que revient la décision de délivrer un permis pour l'importation des chevaux et non à la Horse Racing Division. Cette dernière, dit-elle, ne fait que donner son accord une fois le permis d'importation délivré. D'autre part, Mauritius Turf Club Sports and Leisure Limited n'a toujours pas obtenu de la Gambling Regulatory Authority sa licence en tant qu'organisation des courses hippiques. L'organisme avance étant donné que la MTCSL n'a pas d'hippodrome du fait que son contrat avec le Côte d'Or International Racecourse and Entertainment Complex n'a pas encore été renouvelé pour l'utilisation du Champ de Mars. Elle ne peut, dans ce cas, selon les dispositions de la loi, livrer de licence à la MTCSL. Situation en eau. Pravin Jugnauth préside une réunion pour prendre connaissance de la situation. Annonce faite par le Conseil des ministres hier, le Premier ministre passera ainsi en revue la situation de nos réservoirs, de nos puits ou encore de nos nappes phréatiques. Il prendra aussi connaissance des mesures prises par la Central Water Authority afin d'assurer la distribution d'eau. Il sera également question de comment adresser le problème d'eau à Maurice. Et le Conseil des ministres a pris note que la station météo de Vakoa a revu ses prévisions pour son summer outlook. Les grosses pluies initialement attendues au début du mois de janvier accuseront un retard selon les nouvelles prévisions de la météo. Désormais, il n'y aura pas d'averse avant la deuxième semaine de janvier. Par ailleurs, la météo attire l'attention sur la possibilité de temps extrêmes comme de fortes pluies ou de violents orages entre la deuxième semaine de janvier et fin avril. De fortes houles générées par des tempêtes à proximité des mascaraignes sont aussi attendues. 7 à 9 formations cycloniques sont attendues dans le bassin de l'océan Indien. Des averses prévues surtout dans l'est du pays, c'est ce qu'indique la station météo de Vakoa. Ces averses vont durer jusqu'à demain après-midi et le temps va s'améliorer demain en début de soirée. Plus de précisions avec le prévisionniste Carson Moutia. Donc concernant le temps, durant la nuit, nous pouvons avoir un nuage qui peut graduellement commencer à influencer le temps. Et donc pour le moment, le ciel est pourvu nuageux, avec un afflux passager surtout sur la moitié est de l'île et le partout central. Mais toutefois, graduellement, il va y avoir une amélioration du temps. Donc ça va un nuage qui peut influencer le temps durant la nuit, ça peut toujours influencer le temps demain matin, même en début d'après-midi. Et graduellement, tout va un nuage pour finir éloigné et nous pouvons essentiellement du beau temps au cours de la journée de demain. L'exercice d'admission pour les grades 1, 7 et 10 aura lieu le lundi de la semaine prochaine et la grande rentrée prévue pour le lendemain. Après les fêtes de fin d'année, l'heure est désormais à l'achat des manuels et autres fournitures scolaires, ainsi que les uniformes avant la grande reprise des classes. Ainsi, à quelques jours de la rentrée, c'est la ruée vers les magasins d'uniformes et les librairies. Mais une dure réalité frappe les parents. S'ils avaient prévu un certain budget, la cherté de la vie en a décidé autrement. Les prix des uniformes et des manuels pèsent lourd. Douchina Picadou. Chandia avance que les dépenses qu'elle a effectuées en vue de la rentrée des classes a largement dépassé le budget qu'elle avait prévu. Les prix des uniformes ont pris l'ascenseur, tout comme ceux des manuels scolaires, nous dit-elle. Depuis longtemps, je perds tant, mais c'était un peu trouvé qui la ligne a pétardé. Bon, mon assez, mon échange, mes enfants, c'est uniforme. Au contraire, je finis par en libérer. Là, je trouvais l'éliminer un petit peu contre le lit. Là, je peux bien me changer là. 300 quelque chose comme ça. On va te faire attendre, mais on va trouver comment dire. Les lignes ont augmenté.
Quant à Saloni, elle avance que les prix sont excessifs. Cette habitante de Trompard ne cache pas qu'il a été difficile de trouver les manuels requis à des prix raisonnables. Nous pouvons faire tout en librairie, mais nous pouvons pas gagner un livre, tout en livre, mais même nous pouvons pas gagner mathématiques, anglais, français, nous pouvons pas gagner. Là, nous sommes là-haut, là, nous venons ici. Si vous connaissez, nous pouvons gagner là. 3 livres, 1500. Là, moi, vous allez gagner une forme. Mais c'est vraiment pour ça que tout le prix là est doublé. C'est bien difficile. Du côté des commerces, les responsables affirment que les prix n'ont pas tellement pris l'ascenseur. Certains commerçants pointent du doigt le fait que certains parents attendent souvent la dernière minute pour faire leurs achats. Pour certaines, non. Mais l'année avant, avec Covid, tout ça, oui. Pas si bon. Et nos parents attendent dernier les devinas et parfois pas gagner les formes autant collées mais finalement la taille. Arti, mère de famille qui a déjà acheté les fournitures scolaires, ne s'étonne pas des prix élevés. Mais mon père pour acheter grand chose, mon père prend seulement blouse parce que les designers sont pas les uniformes encore. Moi, habitué prend que jeans à cause ça, mon préfère mon bin pour lui-même, mon préfère prendre lui la même. Certains parents affirment que l'éducation dite gratuite a malgré tout un prix qui ne cesse de grimper. La page étrangère après ceci. Plusieurs milliers de personnes venues de toute l'Europe ont défilé ce samedi à Paris en hommage à 3 militantes kurdes assassinées il y a presque 10 ans, jour pour jour, dans la capitale. Cette marche annuelle qui rassemble la communauté kurde depuis 2013 intervient quelques jours après le choc de l'assassinat au centre de Paris de 3 Kurdes par un homme de 69 ans qui a confessé pendant sa garde à vue avoir agi par haine devenue pathologique des étrangers. Selon les organisateurs, au moins 25 000 manifestants participent à la marche. Rien ne pourra arrêter la liberté des Kurdes. Vérité et justice, nous voulons la justice, ont scandé les manifestants, dont les premiers ont rallié la place de la République à la mi-journée en passant par les lieux des triples meurtres de 2013 et 2022. Ce qui nous amène à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end à vous tous. Tout Mauricien réunit loin de ses lanternes, dans toute la joie, même dans la peine. Il n'a pas de race ni couleur, n'a pas de figure, plutôt qui ça me dit, n'a peine. Top, 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 top